putain, 5h du matin, 5h du matin pour aller au Vape Expo, pour faire mon retour pour vous. Mais ravi de le faire, hein. Voilà, explosé, 5h du matin, il me reste 3h de route pour direction Lyon. Là je suis en bagnole, donc 5h17, faut que je me baigne, je vais être à la bourre. Et ben voilà, après, je vous présente le Vape Expo 2017. À l'issue de cette petite vidéo qui sera le départ, et bah, l'aventure continue. Allez, bonne vape. Bonjour à toutes et à tous, voilà, donc je vous ai présenté le départ et l'ensemble des stands. Alors même si j'en oubliais, je m'en excuse, hein, pour les marques que j'aurais peut-être pas citées en photo, j'ai essayé de faire un maximum. Donc ce Vape Expo 2017, pour moi, est une réussite. Il n'y a pas que des choses positives, mais l'ensemble est quand même très très positif. L'accueil plutôt sympa. Des découvertes, il y en a eu. Les modeurs présents, oui, peut-être pas assez malheureusement, mais c'était du beau matériel. Au niveau atout box, là par contre, j'en parle pas, je laisse tomber, parce que de toute façon, à chaque fois, c'est la même chose, on parle toujours pareil. Il n'y a personne, ou il n'y a rien, ou le peu qui est présent, c'est des choses que tout le monde connaît maintenant. Donc rien d'extraordinaire, hormis peut-être de mettre une tarot. Voilà, moi j'ai vu une tarot parce qu'ils avaient foutu des trucs un peu résineux ou des couleurs, etc. Enfin bon, rien d'extraordinaire. Malheureusement, hein, pas de grosses découvertes, pas de choses très très intéressantes au niveau matériel. Titanide qui a fait un travail, voilà, je fais un gros big up à eux. Titanide, le matin, j'ai appris ça après, mais j'ai été le voir vite fait. Titanide qui faisait les gravures sur votre box quand vous veniez, moi j'ai trouvé ça super sympa, cool. En plus je crois qu'il faisait ça gratuitement, donc je vous dis pas le travail machin, enfin bon peu importe, mais enfin c'était sympa. Est-ce qu'il y a eu du monde parce que les gens se plaignent que tout est à Paris, que cette fois c'était à Lyon? Moi j'ai pas eu la sensation d'une foule extraordinaire, mais j'espère pour eux, pour l'organisation, qu'ils arriveront à faire au moins aussi bien qu'à Paris, c'est-à-dire 11 000 divisé par 3, on va dire que ça fait 3 000 et des brouettes, 4 000, qu'ils arrivent entre 7 et 8 000, ça serait cool, j'espère pour eux. Ça voudrait dire que les gens quand même font l'effort d'aller au Vape Expo. D'ailleurs, il faut y aller au moins une fois dans sa vie de vapoteur pour pouvoir ne serait-ce que découvrir des jus qu'on n'a pas l'habitude de vaper dans les shops physiques qu'on a tendance à aller à côté de chez soi. Y avait-il des choses négatives? Bah peut-être à la limite la grandeur de l'espace qui fait que en fait ça faisait un peu cloisonné, hein, c'est-à-dire que les stands étaient un petit peu cachés les uns des autres, alors que ça aurait été plus cool que tout soit ouvert sur le monde et pas que quand on va chez l'un il faut continuer et que c'est caché de l'autre, qu'on peut pas discuter entre nous, etc., et qu'on peut pas discuter entre stands. Bon, à la rigueur, c'est peut-être ça le côté le plus négatif du salon. Après, les choses plutôt positives, bah voilà, à Paris, on était extrêmement donuts, donuts, donuts à droite à gauche.
Là, on a vraiment une liberté. Les gens ont retrouvé un petit peu, enfin, les pros ont retrouvé un petit peu cette liberté de nous proposer des gammes totalement différentes d'un stand à l'autre. Donc, ça, c'était très, 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 très bien. À l'accueil, oui, je vais faire une petite aparté comme ça. À l'accueil, donc, on a un espèce de sac, voilà, hein, offert, donc, avec de la pub, bien sûr, hein, c'est partenaire. Donc, là, c'était Diner Ladies qui était partenaire pour le sac, hein, avec. Voilà, avec des livres tabaco, hein. Vous aurez compris que la petite étoile veut dire quelque chose, hein. Donc FCK Big Tabaco, ça veut dire pour la TPD. Je suis pas certain qu'il n'y ait que Big Tabaco dans la TPD, hein. Je pense qu'il y a quand même aussi des états qu'il faudra remettre en place. On avait quoi à l'intérieur? Donc Bordeaux 2 qui est un partenaire. Nous avions Vapolic. Ah, Vapolic, vous vous rappelez, moi j'ai bien aimé. Hein. D'ailleurs, je suis toujours fan hein, de Vapolic dans leur gamme, hein, les dieux de l'Olympe. Derrière, il y avait un petit tableau. Alors, ça, c'est plutôt cool. Hein. Bah, je vais le garder d'ailleurs. Ça explique grosso modo combien de NicoPoost il faut avoir pour par rapport à le nombre de ml que vous avez dans votre base pour savoir combien il faut de NicoPoost pour avoir le taux nicotinique. Après, nous avions aussi un petit truc comme ça, là, voilà, ça fait un peu résistance, hein, c'est logique, où on dit comme quoi que tous les vapoteurs, on a perdu la bataille, mais pas la guerre, ce qui est vrai d'ailleurs. Après, il y avait donc bah, le calepin du Vape Expo, où il y a l'ensemble des exposants, le plan du site, etc., etc., enfin, un truc classique. Un calepin, ouais, bon, enfin, pour passer des commandes, etc., un peu. Cette fois-ci, nous avions donc deux liquides cadeaux. Donc la Vape Invaders de chez Bordeaux 2. Donc merci Bordeaux 2. J'ai pas encore goûté. Hein. Et puis nous avions donc le Alien Peace. Voilà, une petite nouveauté aussi, Alien Peace marqué américaine. Plutôt sympa. Donc deux petits liquides à tester, bien sûr, en zéro nicotine, etc. S'ils sont vraiment bons, j'en ferai peut-être une revue. S'ils sont pas extraordinaires. Juste bon, je les vaperai tranquillement. Enfin, merci à eux, parce que voilà, faut quand même les remercier. Ils offrent ça à l'entrée. Pour finir, vite fait, eh ben, j'ai en tout et pour tout, déjà, j'ai pas gratté. J'y vais pas pour gratter, j'en ai rien à foutre. J'y ai été pour déguster, par contre, ça c'est vrai. Et puis j'y étais surtout parce que j'étais invité maintenant par Nico et Cyril hein, de chez Vape Fusion. Si je dois sortir des liquides qui m'ont perturbé ou touché, etc., donc il y en a eu quelques-uns. Quelques-uns, donc il faudrait vraiment que je le fasse voir. Je coupe, j'arrive. Donc, les fameux gros coups de cœur que j'ai eu donc au Vape Expo, j'ai bien aimé donc une marque bretonne. Donc c'est le Léon de Mirror, ça j'en ferai une revue parce que ça mérite. Toujours chez eux, le Aquila. Voilà, toujours hein, dans cette marque, on en ferait une revue. J'en ferai une revue. Franchement, intéressante. Une marque bretonne. En plus je suis breton, donc ça me fait plaisir. Si je dois retenir vraiment des liquides, French Liquide, mais ça c'était logique. French Liquide, moi je les adore depuis le début et que je vape. Celui-ci, le Réanimateur 3, franchement le meilleur des trois, mais je reviendrai dessus. J'en ferai une revue aussi. Là, c'est pas de la pub du tout. Je l'ai vapé toute l'après-midi, même si j'ai été vapé à droite à gauche, je l'avais dans mon atto, donc je l'ai pas lâché, je crois, de l'après-midi. J'en avais plus le soir, donc je lui ai dit, je vais repartir avec. Les gens qui sont passés sur le stand ont été agréablement surpris parce que forcément, je rappelle toujours que c'est dans la vape, c'est pas le contenant, mais le contenu qui est intéressant. Voilà. Donc je vous fais voir. Hein, c'est Vape Fusion, bien sûr. En plus, voilà. Donc ils sortent ça. Hein, les 30 ml. Le Cupidon. J'en ferai une revue, franchement, sur ma chaîne, pas sur leur chaîne, sur ma chaîne. Le Cupidon, qui est une tuerie. Ils ont sorti un truc une gamme premium, mais celui-ci il déchire. Les gens qui sont venus sur le stand ont été surpris. Hein. Il y en a beaucoup qui ont dit waouh, le Cupidon. Bon. Donc voilà, bah, moi le premier, ça m'a fait le même effet.
Et deux gros, mais alors vraiment deux gros coups de cœur. Vous savez, j'apprécie énormément, alors on dit BD grec, bon dans ta gueule, mon ami canadien, Jeff. Jeff qui n'était pas présent au Vape Expo, mais qui était représenté par la marque qui le distribue en France. Donc Jeff sort une nouvelle gamme. Moi, je m'en suis acheté un direct. Voilà, celui-ci, j'en ferai une revue. Toute sa gamme est encore une bombe. C'est impressionnant, enfin c'est des choses, voilà, ils sortent du lot de tout le Vape Expo, c'est franchement des liquides qui sortent du lot, pour moi bien sûr, hein, je rappelle, c'est pour moi, c'est mon ressenti personnel, mais je vous conseille franchement d'aller voir les BD grecs, ou si des jours vous avez l'opportunité de les goûter, allez voir BD grecs, El Vaporo, enfin ces deux Canadiens-là, hein, donc Miguel et Jeff, donc BD grecs, voilà, comme d'hab, bon dans ta gueule, ciao, merci Jeff pour ce jus. J'en ferai forcément une revue parce que je sais que la gamme, je vais la recevoir. Merci à toute l'organisation hein, qui nous transmettent ces jus-là. Moi, ils vont me les transmettre. Forcément, je suis amoureux d'eux depuis le départ. Donc, ils savent et ils m'ont dit, ben bah oui, t'inquiète pas, t'en auras. Mais moi, j'ai commencé. Il fallait que je reparte avec. Et forcément, Miguel, voilà, l'ex El Vaporo lance sa gamme spéciale Europe. J'ai un petit t-shirt. Je suis super heureux qu'il m'ait fait un petit t-shirt. J'en dis pas plus, c'est une gamme qui tue. Je vous laisse avec bah tiens la journée. Voilà, avec un autre diaporama pour finir. Je vous dis bonne journée, bonne vape, à bientôt. Et des revues qui vont arriver d'ici peu.